Alors, ce coup-ci, c'est réellement la dernière de la soirée. Alors, je vous l'avais dit dans de précédentes vidéos, je suis toujours abonné à certains créateurs, bien que je les suis plus trop. Et puis, il y en a certains, je les écoutais, je dirais, régulièrement, j'étais abonné à leur chaîne. Et alors, pour moi, c'est fascinant ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est des gens qui ont, entre guillemets, ont pignon sur rue. Alors, il y en a certains qui étaient associés à des gens dont vous allez apprendre que vous allez découvrir réellement qui ils étaient, les vraies personnes qui c'étaient. Puis pour certains, ils sont plus de ce monde apparemment. Donc, ok. Et là, je les vois se débattre sur cette plateforme pour essayer de sauver les meubles, puisqu'ils étaient tellement associés à ces personnes, ils étaient même à la limite dépendants d'eux. Donc là, maintenant, ils sont dans une situation où ils sont obligés. Ils ont compris maintenant que ça va pas le faire. Donc ils sont obligés de sauver les meubles. Alors, il y a pas mal de gens qui disent, qui ont encore des contacts à Hollywood, le vrai Hollywood, et qui disent que, en gros, c'est ville déserte. C'est comme Washington, ville déserte. Ok. C'est assez intéressant. Pour moi, c'est assez intéressant. Et puis, il y a aussi ce groupe de créateurs qui sont dans leur monde à eux. Ok. De toute façon, je pense qu'à la normale, ils se sont jamais réellement intéressés à. Je dirais. Ils ont pas. L'expression pas pu voir que le bout de son nez, ça leur correspond. Et puis. Et je parle là de créateurs américains qui font des vidéos, donc qui se réveillent, qui se rendent compte, parce que eux, ils sont dans l'optique, et c'est comme ça que ça marche sur cette plateforme, c'est comme ça qu'ils ont beaucoup de vues et de choses. Donc ils sont dans l'optique quelque part de chercher le boxon, donc avec un autre créateur, ou de voir entre guillemets les sujets qui semblent qui semblent bien marcher et qui sont, je dirais, politiquement corrects avec cette plateforme. Okay. Et donc, quelquefois, ils sont à la frontière du complotisme, on dirait, mais ils comprennent tellement rien que, les voir, c'est pour moi, ça devient même fascinant de les voir comme ouais. Puis après, si vous regardez après les commentaires, effectivement, c'est fascinant. Mais j'avoue que je laisse rarement des commentaires. Moi, depuis que sur cette plateforme, comme je dis, les rares fois où j'ai mis des pouces, c'était au tout début. C'était il y a plus de 10 ans de ça. Mais je laisse rarement des commentaires sur une chaîne. Très, très, très rarement. De toute façon, je n'ai pas le temps. Dans les faits, je n'ai pas le temps. Et aussi, il y a ce groupe, donc, de soi-disant, comment j'avais le nom il y a quelques minutes, maintenant je ne le trouve pas, parce que c'est important d'avoir les bons, autrement ne pas être crédible. Donc, ouais, soi-disant des gens, alors aussi bien politique, actualité, géopolitique, institutions financières, à la fois des comptes américains et des comptes français, des gens qui, entre guillemets, comme ils comprennent pas réellement ce qui se passe, mis à part le fait qu'ils sont enfermés chez eux et qu'ils peuvent pas sortir, ou qu'ils ont des restrictions par rapport à la sortie et qu'on leur demande de se faire injecter, c'est tout ce qu'ils voient. Et donc ils essayent de commenter, d'avoir des arguments sur la situation actuelle, et ils ont du mal à faire la bonne lecture. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi, je suis toujours abonné. Effectivement, je suis abonné à beaucoup de comptes. Et honnêtement, je dirais que c'est peut-être une étude de ma part sociologique et psychologique, quelque part. Et en fait, j'attends de voir quand la mouise elle va bien tomber. Okay. Et voir un petit peu comment ces gens réagissent. En sachant que, comme je dis, il y en a certains, clairement, ils savent, ils ont compris ce qui se passe. Ils n'ont pas le choix que d'être présents sur cette plateforme, donc ils font du politiquement correct, mais clairement, ils s'accrochent. On sent l'angoisse, on sent qu'ils s'accrochent, que là, ils s'accrochent aux branches et ils ne savent pas comment ils vont être bouffés et surtout comment leur audience va réagir. Parce que l'important par rapport à ça, ce que ces gens-là ont compris, donc l'important, c'est l'audience, l'important, c'est manipuler l'audience, l'important, c'est d'avoir le plus d'audience possible, mais
Quand on a tenu des propos sur les différentes plateformes qui, entre guillemets, à l'époque favorisaient leurs propos, maintenant qu'ils comprennent que ils ont quelque part été aveuglés, donc le discours doit changer. Et après, là, il y en a clairement certains, quand vous les entendez parler, ils se demandent, mais une fois que la vérité réellement sortira, comment l'audience va réagir? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre, entre guillemets, mon business? Et honnêtement, quelque part, je trouve ça fascinant à regarder. Et sur ça, d'un point de vue purement, encore une fois, je répète, d'un point de vue purement sociologie et psychologique. J'irai dans le passé, j'ai lu pas mal de bouquins sur la psychologie et la psychanalyse, et la psychiatrie aussi, quelques-uns. Et j'avoue que là, ça va être une expérience en direct live, et ça va être la plus grosse expérience au monde, quoi. Parce que là, c'est dans des proportions, une mesure que si vous n'êtes pas enseigné, vous aurez du mal à comprendre. Donc il faut réellement faire. Je vous invite beaucoup à faire le travail en amont pour vous renseigner, pour voir ce qui se passe. Essayez d'envisager le problème sur tous les angles, parce que quand ça va péter, ça va péter, quoi. Et puis, alors, je vais faire un petit truc. Donc, je vous disais il y a quelques vidéos de ça. Bon, je me souviens qu'il y a d'un propos d'une personne qui avait un gilet jaune. En fait, c'était une dame qui disait, ouais, ils sont où comment ça s'appelle, les artistes, les écrivains et tout ça. On achète leurs bouquins, on achète leur musique, on va à leurs concerts et tout ça. Ils sont où dans cette histoire de. Hein? Ok. Et là, je viens de voir que Francis Lalanne, qui depuis le début. Alors, pourquoi je parle de lui? C'est que moi, je regarde pas donc les médias. Moi, ça fait des années que je regarde plus la télé. Donc, entre guillemets, ça va pas. Ça, ces derniers mois, cette dernière année n'a pas changé grand-chose pour moi. Ok. Mais après, je ne peux m'empêcher que sur cette plateforme. Et comme je dis. Depuis un certain nombre de mois, à chaque fois je le vois apparaître dans des vidéos sur cette plateforme. Et là, je suis obligé de me dire, ben oui, en fait, il n'y a que lui qui bouge, quelque part. À ma connaissance, il n'y a que lui qui bouge, réellement, réellement. Voilà, il se met en ligne de ligne. Comme je dis là, en ce moment, il y a juste. Là, vous pouvez compter sur le bout des doigts, carrément, le nombre de patriotes. Parce que là, ça se discute pas, ça se bouscule pas, et ça se bouscule pas au parti. Et puis c'est clair qu'ils discutent pas beaucoup, quoi. Genre, il y a des voix qu'on entendait auparavant qu'on n'entend plus. Mais c'est pareil aux États-Unis, hein, soi-disant des gens, des célébrités, tout ça. C'est silence radio. Quand vous allez sur leurs réseaux sociaux, c'est silence radio. Et je le sais pertinemment que pour ceux qui postent encore, parce que je comprends les choses, okay, je sais que c'est personnellement pas eux qui postent, et c'est pas des assistants, en fait, c'est quelqu'un d'autre, parce qu'ils sont déjà passés entre les mains de la justice pour certains, et apparemment il y en aurait même certains qui seraient déjà décédés. Donc, suite à des jugements. Donc, entre guillemets, préparez-vous. Moi, je trouve ça, effectivement, voilà, c'est clairement l'expérience d'une vie, et j'arrive pas, quelque part, j'arrive pas à croire que je vais vivre ça dans mon existence. Je vais voir ça dans mon existence de mes propres yeux. Waouh! Waouh, waouh. Et puis aussi un autre truc que je regardais, c'est vrai, okay, que faut pas oublier que dans toutes ces histoires, les hommes de main, si jamais effectivement les complotistes avaient tort, okay, tous les hommes de main, une fois que l'affaire serait faite, ils seraient tous amenés à disparaître. Clairement, c'est le cimetière. Parce que, entre guillemets, quand on fait des coups comme ça, okay, après, on ne veut plus laisser de traces, parce qu'on sait déjà que les gens qui vous ont aidé, les sous-fifres qui vous ont aidé, de toute façon, maintenant, ils sont dangereux. Donc, il faut les éliminer. Alors, Dixit, vous avez regardé, Seconde Guerre mondiale, Révolution russe, compagnie, bolchevique, ils sont tous tués entre eux. Okay. Aussi, peut-être occasionnellement, la Révolution française, pour penser un petit peu au 14 juillet, parce que, aux armes citoyennes, enfin, oh, je dirais, allez.